Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Et j'espère que vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Sinon, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir les nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de cordon bleu fait maison. Pour le faire, j'ai utilisé 6 blancs de plaie, 6 tranches d'emmental, 6 jambons de poulet, de la farine, de la chapelure que j'ai obtenue en mixant du cornflex, 3 œufs, du poivre et du sel. Pour commencer, mettez du poivre dans la farine et du sel, puis mélangez. Puis cassez les œufs et mélangez aussi. Pour la préparation, vous ouvrez le blanc de poulet. Vous enroulez du fromage dans le jambon et mettez-le à l'intérieur du blanc de poulet. Maintenant, vous le faites passer dans la farine, puis dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Et le cordon bleu est quasi prêt. Ensuite, vous refaites la même procédure pour les autres. Si vous voulez que le poulet soit moins épais, vous pouvez l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie et ça va faciliter la cuisson. Maintenant, nous avons fini la préparation. Nous allons les mettre au four à 175 degrés pendant 30 minutes et en les surveillant. Et donc voilà les cordons bleus tout prêts. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ma vidéo et à proposer des recettes que vous aimez dans les commentaires. Bisous !